Salut, salut tout le monde, bienvenue sur le plateau de Télécréole en compagnie de Elodie. Bonsoir. Salut, ma chérie, ça va? Très bien, et toi? Oui, ça va, surtout quand on a une invitée de malade comme ça. Tu connais cette fille? Non, mais non. Je vais la découvrir. Les autres aussi, ça va découvrir, mais je pense même pas que vous allez la découvrir parce que elle a déjà fait une émission également sur Télécréole. En plus, vous elle la connaissez le dans votre salon, vous aussi, bien sûr. Elle va nous en dire plus. Merci d'accueillir Julie-Anne Andrieux. Merci. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps que je n'ai pas été là. Ouais. Tu te sens bien, t'es à l'aise? Ouais, ça va. Je me sens chez moi, quoi. C'est parti pour 26 minutes de confidence. C'est parti. De cœur à cœur. Et tu nous dis tout. On détaque la langue aujourd'hui. Allez. C'est parti. Alors dis-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie aujourd'hui? Je fais ce que je suis, c'est une bonne réponse. C'est parfait. C'est une bonne Ensuite, réponse, hein? Question next. on va détailler Vas-y, quand même. Ouais. C'est bon. Parce que je pense que tu es une multi-mempreneur. Ouais, d'accord. Si tu veux, on peut dire mempreneur. Alors, c'est très drôle que tu utilises ce terme. C'est pas forcément un terme que j'affectionne particulièrement, alors que je suis maman et que j'adore être maman. Oui. Mais je suis une entrepreneur. Oui. En premier. D'accord. Pour moi, je suis femme en premier. Oui. Après, je suis maman. Après, je suis chérie, amie, tout ça. Voilà. Oui. Mais je suis femme en premier. Et en fait, être femme, pour moi, ben, c'est ce que je fais. En fait, je suis ça. Je suis femme. Je suis une J'adore. Femme. J'adore. C'est quoi une femme? Oui. Mon Dieu, j'ai écrit un grand truc là-dessus il n'y a pas longtemps. Bah, tiens-nous quelques mots alors. Alors, une femme pour moi, c'est quelqu'un qui entreprend sa vie, donc qui fait ses propres choix, qui décide de comment elle a envie de vivre, qui décide de qui elle a envie de vivre avec, surtout. Non, mais je mets un gros point. Là-dessus, parce alors, que... Alors là, si voilà. t'as pas compris, tu comprends plus. Hein. C'est ça, voilà. Oui. Qui fait des choix, en fait, qui sont au bénéfice de sa personne, sans forcément aller rentrer dans des égos démesurés ou ce genre de choses, mais plutôt parce qu'elle fait des choix en conscience. D'accord. Voilà, on fait des choix professionnels, on fait des choix personnels parce qu'on a envie d'améliorer sa vie à soi. Et choix du coup, en conscience, je te coupe, ça veut dire quoi? Choix en conscience, ça veut dire, ok, aujourd'hui je suis dans une situation, je n'aime pas des éléments dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour changer ces éléments dans cette situation? Et dans les mentorats que j'accompagne, donc le mentorat c'est un truc qui est un petit peu nouveau, je crois que je suis la seule à La Réunion à le faire d'ailleurs, c'est un petit peu différent du coaching, et souvent je dis que dans le coaching il y a de l'accompagnement, et dans le mentorat, il y a surtout de la transmission. Donc, c'est un petit peu ce que je fais. Donc, oui, je tiens la main, mais je bouge aussi beaucoup et je booste beaucoup. Et généralement, on pleure beaucoup, on rit beaucoup. Mais après, on sort de là comme si on a eu une révélation, en fait. Et c'est vraiment ce que je fais. Je révèle les femmes à elles-mêmes. Super. Voilà. Magnifique. C'est quoi c'est les outils? Waouh. Allez. Il y a plein d'outils. En fait, c'est vraiment en fait un lien entre... Bon, je vais employer des termes un peu spéciaux. Excusez-moi. Ah, attends, parce que juste avant, on a reçu une qui était perchée, déjà. On va essayer. Ah non, mais moi, je crois que je suis à un niveau... ouais. Pas loin. Quoi? À mon avis, ouais, un petit peu... Oh, mais en plus, j'ai pas peur aujourd'hui d'employer mais des termes. Mais pourquoi il veut dire PHE? Tu parles de PHE, PHE, PHE. Bah, ouais, alors bon, moi je suis pas trop fan du terme, hein, je t'avoue. Parce qu'en fait, pour moi, PHE, c'est juste que tu parles de ta vérité. Oui. Après, tu peux. Mais tu peux en le face, voir. T'as des personnes qui n'ont pas le même alors, niveau moi, de conscience. Je, alors, je vais, ce que, en fait, je vais t'apprendre un truc. Allez. Moi, je m'en fiche de ce que les gens peuvent dire ou penser qui sont en face de moi. Je dis bien, regarde-moi. Parce qu'une fois que je suis alignée avec qui je suis, et comment je pense et comment je vis et que ça fait de mal à personne, et ben je peux parler de ma vérité. Et en fait, les personnes en face, soit elles la reçoivent, soit elles la laissent, mais ça c'est leur choix. Oui. Ça c'est une question de responsabilité, c'est quelle responsabilité je prends pour moi et quelle responsabilité je laisse à l'autre. Moi j'ai eu un bon entraînement avec le père de ma fille, avec qui je suis plus depuis presque 5 ans. Pardon, fallait pas dire qu'on était contents. Bien sûr. Non mais tu voilà, dis ce que tu veux, tu fais ce que tu veux, c'est vrai que ça a été ah ben. C'est toi-même. Voilà. Non mais c'est vrai que ça a été un gros événement dans ma vie de quitter le père de mes enfants. Voilà, c'était un peu inconcevable, un peu voilà, on vient d'une famille créole où tu as un enfant, tu te maries, tu continues ta vie comme ça. Donc le quitter, c'était plus dans l'idéalisation de la famille. Mmh. De me dire, oh, mais là, je vais le quitter, mais comment je vais faire? Je vais me retrouver toute seule. Ce qu'on plus, en plus, on était en train de monter le coffee shop qui est à Saint-Denis, là.
Donc on a fait ça ensemble. Donc en, en mode projet. Ouais, tout, en mode projet et tout. Bon, elle avait déjà un enfant, hein, donc bon, oui. C'était quand même assez. C'était un gros projet. Oui. Et on s'est séparés 2 mois après que le coffee shop ait ouvert. Et franchement, ça a été une des plus belles décisions de toute ma vie. C'est toi qui l'as quitté ? Oui, c'était oui. C'est une, voilà, c'est 7 mois de circonstances, de plein de choses et tout. J'ai vécu aussi une IMG, je dis une IMG parce que c'est une interruption médicale de grossesse et non volontaire de grossesse. Donc j'ai appris le terme il n'y a pas longtemps d'ailleurs, du coup c'est pour ça que je me dis tiens, mais en fait c'est ça que moi j'ai eu. Et c'était après ma première fille qui est née grande prématurée aussi, donc à 5 mois et 3 semaines de grossesse. Et voilà, c'est vrai que ça a été 6-7 mois de on se met ensemble, on n'est pas ensemble, on se met ensemble, on n'est pas ensemble. Et puis jusqu'au jour où on s'est séparés et j'ai ouvert mon entreprise, j'ai ouvert l'association, enfin tout ça dans la même année. Ouais. J'ai déménagé, donc j'ai déménagé de la maison qu'on avait ensemble pour prendre une maison. C'est vraiment et franchement, un gros nouveau départ. Ouais, j'ai repris le sport, donc j'ai perdu 9 kilos. Enfin bon, voilà, c'était un truc de ouf. Ouais, voilà, mais tu vois, 4 ans et demi après, bah, plein de petites victoires qui font une énorme montagne de victoires au final. Et c'est vraiment. Ça a été vraiment un... Tu sais, j'ai quitté des gens dans ma vie avant, tu vois, et des gens m'ont quitté aussi. Mais de faire ça et le fait d'avoir Naya, donc ma fille, je sais pas, elle m'a... Je pense que ma fille, déjà, dans sa couveuse, m'a donné une force de résilience incroyable. Parce que quand tu vois un enfant grandir en couveuse comme ça pendant 3 mois et que tu passes 3 mois à l'hôpital, c'est un... C'est une expérience, hein. Ouais, ouais, justement. Et moi, j'ai envie de juste faire une petite aparté là-dessus parce que ton histoire résonne en moi parce que moi-même, j'ai eu un enfant prématuré. D'accord. Et donc, et justement, lorsqu'on voit ces petits bouts de chou avec la force qu'ils ont depuis les premières heures de leur vie à se battre, déjà un enfant normal, le temps qu'ils sortent de leur vent. Alors, normal, non, à terme. Oui, pardon, à terme, oui, je reprends, merci. À terme, tout le processus qu'il y a pour arriver parmi nous, en fait. Mmh. Et là, le fait de voir ces enfants prématurés et tout ce qu'ils doivent endurer hein, tous les jours. Et, c'est un combat. Et donc... C'est un combat, mais en même temps, tu sais, c'est marrant parce que c'est comme si tu vois la vie... Enfin, tu comprends pourquoi la vie, elle est là. Les mots, c'est toujours très drôle et très limitant. Mais ouais, quand tu vois ton enfant, combien de mois? À 32 semaines. Ok. Ouais, il est resté un bon mois. Ça va. Oui. Ah, ouais. Après, il y avait à côté de lui Réa, ce qui est 5 mois, etc. Et moi, justement, par rapport à ça, quel message tu aurais à faire passer, là, justement, aux femmes qui ont vécu cela Tu sais qu'à la base, la question, c'était qu'est-ce que ça veut dire être perché? Oui, on est arrivé là. Et ben voilà, nous sommes dans un plateau perché. De femmes. Mais c'est très bien parce que le débat il est super riche et je pense que ça parle à beaucoup de... Alors je vais te dire la même phrase que je dis tout le temps, je suis venue beaucoup de fois ici pour parler de Prima Babies et de l'association du coup que j'ai créée. Oui. Et je discutais encore aujourd'hui avec une maman, voilà, parce que c'est tous les jours, la prématurité ne s'arrête pas parce qu'il y a le Covid. Voilà. Donc nous, on continue d'avancer. Enfin, je continue d'avancer. Je continue de discuter avec beaucoup de femmes tous les jours ou beaucoup de pères aussi. Enfin, ça, de plus en plus, il y a des hommes. Il y a 4 ans, il n'y en avait pas du tout. Et un message, ce serait de... Je sais que c'est difficile de... Enfin, on a besoin de parler, mais on n'ose pas le faire. Et je sais que c'est difficile de faire le premier pas, surtout qu'on se dit ouais, je vais pas être comprise, ou on va pas m'écouter, ou je vais pas être soutenue, ou je suis pas soutenue de la façon dont j'aimerais être soutenue. Et c'est vraiment de leur dire que vous êtes pas seule et que vous êtes pas la seule à vivre ça. Comment s'appelle ton association? Prima Babies. Voilà, on peut retrouver sur Facebook. Partout. Prima Facebook, Baby. Instagram. Et d'ailleurs, on vient de lancer une cagnotte de récolte de dons aujourd'hui. D'accord. Voilà, la cagnotte annuelle de Prima Babies pour financer notamment les kits prématurés. Ça fait quelques mois que je travaille à l'élaboration d'un programme de maman accompagnante aussi, et là j'espère finaliser le partenariat avec la CAF. Donc c'est pas gagné, c'est Coucou, beaucoup adoré, voilà. Mais voilà, ils peuvent nous apporter vraiment un gros soutien sur les campagnes de sensibilisation à la prématurité et notamment le financement du programme de maman accompagnante qui me tient
vraiment, vraiment à cœur. Voilà, ce serait l'idée, ce serait d'avoir une maman voilà, qui a déjà vécu la prématurité de manière positive, ou pas d'ailleurs, mais qui a envie vraiment d'accompagner de manière positive la maman qui a une menace d'accouchement prématuré, ou qui vit l'hospitalisation, ou après. Okay, comment, voilà. Tu es une femme incroyable, resplendissante, qui est passée par énormément. Alors, en moins de 5 minutes, elle nous a dit qu'elle a vécu une rupture. Mmh. Voilà, elle a rebondi, elle a vécu un enfant prématuré, un déménagement, une IMG. Une IMG. Ouais. Donc, et une fausse couche il y a deux mois et demi. Une fausse couche il y a deux mois et demi, mon Dieu Seigneur. Ouais. Non, mais ça, c'est vraiment. Si tu veux, on peut faire la transition avec le côté perché. Je te parle tout de suite de ça. Si vas-y, hein. Fais comme tu veux, comme tu le sens. Sans transition aucune, oui. Dis tout, détaque la langue, tu peux y aller. On n'a pas dit ça? Non. Vas-y, détaque la langue aujourd'hui. Oui, vas-y, tu peux envoyer. Pas de problème, je suis prête là. Tu es prête? Ouais. Non, parce qu'on parlait de quels outils j'utilise pour les femmes et tout. Et c'est vrai que j'utilise des outils de business. Donc moi, j'ai un parcours très riche. J'ai vécu 7 ans en Australie. Enfin, oui. Je parle en termes de business et d'études. Oui. Et j'ai un bachelor de commerce en hôtellerie et tourisme management et un bachelor de sciences en développement durable. C'est vrai que j'en parle jamais, mais bon. Oui, voilà. Mais c'est très bien. Oui, c'est mais magnifique. Voilà, c'est ce qui me permet de... Bachelor, c'est combien d'années? C'était 4 ans pour les deux. 4 ans. Voilà, donc c'était normalement c'est 3 ans comme une licence. Oui. Et là c'était 4 ans parce que j'ai rajouté la dernière année, j'ai rajouté un autre bachelor. Et t'as fait ça en Australie? Et j'ai fait ça en Australie, voilà. Okay. Donc pendant quoi? Il fallait non, oui, bien sûr. En fait, j'ai eu une passion pour l'environnement et le développement durable. J'ai fait un module lors de ma troisième année. J'ai dit, mais en fait, j'aurais trop dû faire ça. Et tourisme et développement durable, comment te dire que moi, ça faisait sens. Et du coup, je suis partie directement là-dessus et j'ai rajouté une année. Bon, ça a coûté des sous, hein. Voilà, j'ai continué à payer jusqu'à cette année d'ailleurs. Un crédit pour Comme quoi il faut persévérer. Non, mais je te jure, j'ai 35 ans, donc voilà. Et tu avais quel âge quand j'ai fait les études? Ouais. Je suis partie, j'avais 21 ans. Voilà. À 21 ans, on décide de partir comme ça? Moi j'avais toujours envie de partir. J'ai quitté chez mes parents, j'avais 19 ans et c'était en fait depuis que j'ai 3 ans je crois que je partais chez les voisins avec qui on était très potes, je partais toute seule, je disais à personne, donc toujours indépendante. C'est ça. T'as des frères et sœurs? J'en ai j'ai 3 sœurs et un frère. Disons grande famille en plus. De quelle ville? Alors nous c'est un peu spécial parce qu'on est une famille recomposée, donc c'est pour ça que je dis mes frères et mes sœurs au final, voilà. Mais en fait mon père il a eu la maman, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble mes parents, et avant ça mon père il a eu 2 femmes. Voilà, enfin 2 femmes, une copine à l'époque, il était très jeune, il avait 20 ans, elle est tombée enceinte, donc il y a eu ma sœur. Et après, il s'est marié et puis il a eu mon frère et ma sœur. Toujours est-il que tu me donnes pas la ville. J'ai demandé la ville. La ville, c'était la montagne, Perché, hein. Toujours pas eu la réponse. Comment vous voulez faire quoi avec des gens comme ça sur le plateau? Karine, on va pas y arriver, Thierry, j'arrête là, j'en peux plus. Je suis au bout de ma vie, parce que franchement... Ça existe ça? Non, mais faudrait créer. Si ça existe avec Adriana. Tu regardes pas, non, connais pas Adriana. Par le pouvoir de Sailor Moon. Non, tu connais pas non plus le pouvoir de Sailor Moon? Non. Ah mon Dieu, bon, tu vois, on a trouvé moins perché que nous, du coup. Ah. C'est un carrément de Galaxy. C'est un comique. Ah si. Pour le Covid. Si oui, je vois. Si, ok, c'est bon, je vois. Tu connais cette DR caméra? Oui. Alors, la ville. La montagne. Ouais. Très bien. Je peux pas dire Saint-Denis parce que vraiment Saint-Denis, c'est la montagne. D'accord, c'est la montagne. Très bien. Ah, mon cerveau l'a bugué là parce que quand on a la montagne, a vu la montagne parce que si on m'a perché, la montagne. Mais c'est ça, c'est logique. C'est logique. Je suis en train de perdre Elodie, je suis désolée, moi je t'ai perdue déjà, mais là je vais perdre Elodie. Alors on a eu son parcours, elle a commencé en Australie, bachelor, après ingénieur réseau pour une grosse boîte de télécom là-bas. Tout simplement, voilà. Ensuite. Mais ça c'était ma passion, depuis que j'ai 19 ans je travaille dans les télécoms, ça a toujours été, moi j'ai connu les téléphones à clapet où il n'y avait pas internet et tout dessus, tu sais, je les vendais, les gens les achetaient. Les télécommandes là. Ouais, non, c'était les petits, tu te rappelles les Motorola là? Ah oui, d'accord. Ah c'est Motorola, mon premier téléphone. Bah c'est ça, mais tout le monde aime ça, ou les Samsung qui étaient comme ça, comme une vague là, on vendait ça à l'époque. Voilà. Ouais, donc j'ai connu toute l'évolution des télécoms et puis voilà, c'était chouette l'Australie, mais
Il s'est passé que j'ai fait une grosse dépression, je pense trop de boulot, et je suis rentrée à La Réunion en 2013, et du coup j'étais rentrée pour les vacances, et en fait j'ai rencontré le père de ma fille, bon, qui était quelqu'un que je connaissais depuis le lycée, donc que j'avais pas vu depuis X temps. Je suis rentrée, j'avais 28 ans, attends, je calcule bien, oui c'est ça. Et du coup, je devais me faire opérer d'une endométriose ici. Une semaine avant, j'ai dit non, je le sens pas et tout, donc j'ai pas fait l'opération. Et c'est là où j'avais déjà commencé mes histoires de perché avant. Ouais. Mais là, ça s'est plus approfondi à ce moment-là. Tu as surmonté l'endométriose, qui est un réel sujet. Oui, as eu un enfant, malgré tout. Alors moi, je sais que ça va paraître tellement bizarre de dire ça, mais moi, je suis guérie aujourd'hui de l'endométriose. Et justement, grâce à... le côté perché. Je m'en doutais. Magnifique. Ouais. Tu pourras nous en dire plus. Ça a commencé par des soins Reiki. Oui. Donc pendant 6 mois, alors se trouvait que mon conjoint à l'époque, il venait de passer ses 2 premiers niveaux de Reiki. Donc vous savez un petit peu comment ça se passe. Oui, on a les 3 degrés. Et du coup, il m'a fait des soins pendant 6 mois, et je suis tombée enceinte de ma fille janvier 2014. Donc ça faisait 4 mois que j'étais rentrée d'Australie. Magnifique. Et c'est trop marrant. Moi, avec tout ce que je sais aujourd'hui, je me dis, il n'y a pas de hasard, mais c'était, je me rappellerai toute ma vie, parce que c'était le 8 janvier 2014. Cette date, elle est super importante pour moi. Et ce jour-là, en fait, c'est comme si j'ai accepté que jamais j'allais avoir d'enfant. Voilà, parce que moi j'étais diagnostiquée, donc là ça faisait déjà 4 ans que j'étais diagnostiquée, donc on m'a diagnostiquée, j'avais 25 ans, et c'était le jour de Noël, voilà. Donc ne perdez pas espoir. Non, non, toujours vraiment, c'est bien que vous en parliez, parce que du coup moi j'ai été mentor d'une femme qui a ouvert ses soins énergétiques, elle fait des soins premium, donc c'est des soins qui se passent à distance, donc c'est des soins énergétiques, et elle s'est spécialisée et elle travaille avec l'association Endorun aujourd'hui. Génial. Donc je les ai mis en contact, donc moi j'ai travaillé vraiment avec elle tout le côté business, le côté communication, le côté un peu de création de contenu, mais tu sais, pour moi il y a des choses qu'on doit savoir qui sont des trucs de base. Après, quand on veut aller s'approfondir, franchement je conseillerais Jenny sans problème, parce que non mais c'est vrai, franchement Jenny de l'émission non, de juste avant, voilà. Et mais c'est vrai que pour moi on peut déjà commencer avec des bases. Il y a des outils qu'on peut utiliser qui sont gratuits, voilà. Et puis moi j'ai un background, comment on dit, j'ai un background en business, donc c'est facile pour moi d'accompagner des femmes dans tout ce qui est business, dans tout ce qui est création de business plan simplifié, parce qu'il n'y en a plus trop besoin aujourd'hui, de plans stratégiques, de plans de vente, de plans de communication et tout ça. Donc on travaille beaucoup là-dessus, et aussi on travaille beaucoup l'énergétique. D'accord. Et c'est vrai que moi je travaille beaucoup dans l'éveil au féminin, parce que pour moi le féminin c'est une puissance et ce n'est pas une faiblesse. Et exprimer sa vulnérabilité, c'est une puissance, ce n'est pas une faiblesse de dire que j'ai besoin d'aide, ou j'arrive pas à faire un truc, ou je sais faire ça. Tu es féministe ? Ah oui. D'accord. Et c'est quoi la féminisme ? C'est bien prononcé, ça. C'est pas un gros mot, en fait. Non, mais au cas où elles n'avaient pas compris, tu vois, je vais bien dire c'est quoi être féministe. Déjà, c'est pas un gros mot, et c'est pas être contre les hommes. Être féministe, c'est juste être pour la femme. C'est D'accord. tout. Et il y a une phrase de Maya Angelou que j'aime beaucoup, et elle dit « Mais je serais bête de ne pas être dans mon propre camp en étant une femme ». Donc moi, j'ai vraiment du mal à comprendre les femmes qui ne sont pas féministes. Après, j'ai un seuil de tolérance qui est juste énorme, donc moi, j'accepte les gens comme ils sont, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que voilà, encore une fois, tu vois, c'est quelle est ma vérité à moi ? Et avec quel degré de confort comment je me sens aujourd'hui de parler de ma vérité, que ce soit reçu en face ou que ce ne soit pas entendu, à la fin c'est la même chose pour moi. Je suis juste là et je transmets mon message. Et c'est là où, par exemple, tu vois, le côté perché revient un petit peu. Là, la formation que j'ai proposée dans la MAM, donc il y avait la cohésion d'équipe, le management, le leadership et le cycle féminin et le cycle lunaire. Et on a fait beaucoup de rituels féminins. Super. Voilà. Et ça passe par juste simplement savoir s'ancrer par la respiration, par l'écriture. Je travaille énormément avec l'écriture. Pour moi, c'est vraiment un... C'est comment on a dit
canalisateur. Catalyseur. Je sais pas, ouais, bref. Ça te canalise. Oui. Et ça t'aide à nourrir ton émotionnel. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je travaille sur les quatre corps. Donc, tu as le corps physique, le corps mental, le corps émotionnel et le corps spirituel. Alors, on n'est pas obligé d'être religieux ou spirituel pour nourrir son corps spirituel. On peut juste se rendre compte par l'énergie qu'on a. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on n'est pas fatigué? Est-ce qu'on se sent agacé? Est-ce que j'ai des émotions qui se situent au niveau de mon ventre ici? Est-ce que je me sens stressée? Juste ça, en fait. Je te dis, on n'est pas obligé d'être perché pour être perché au final. En fait, c'est un peu comme je disais, et tu vas me confirmer ou pas, c'est lorsqu'on est OK avec soi, on se sent bien. C'est comme si qu'il y a un axe, là, un alignement qui est en soi. Par contre, si on n'est pas OK avec soi, c'est là qu'on a tous les symptômes impossibles et inimaginables. En fait, ce que j'apprends aux femmes, c'est vraiment à regarder leurs quatre corps. Et à travers le cycle féminin, donc nos menstruations en fait, ou le cycle lunaire pour les femmes qui sont soit ménopausées, soit qui ont des interruptions volontaires de règles, on va travailler avec le cycle lunaire et il y aura des phases énergétiques en fonction de ces différents cycles qui vont te permettre d'optimiser ta journée, d'optimiser ta productivité. Par exemple, je sais pas si j'ai le droit de dire ça. Par exemple, aujourd'hui, je suis en règle, c'est mon premier jour de règle. Mais je suis quand même encore dans une énergie assez haute. Mais je sais que demain, je vais me prendre une claque et je vais juste me poser. D'accord. Et je suis plus en train de combattre ça aujourd'hui. Demain, j'ai besoin de me poser parce que j'ai mes règles. Et ben, je me pose. Oui. Et c'est tout. C'est tout. Ouais. Et c'est pas pour dire que j'ai pas des obligations. Mmh. Sauf que je vais peut-être. Comme dit ma mère, ce qui peut être reporté au lendemain doit être reporté au lendemain. Non, mais c'est vrai, parce que tout ce qui n'a pas besoin d'être en priorité, et ça, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi avec les femmes entrepreneurs. Donc moi, je fais partie de l'association Défi de femmes aussi. Et voilà, j'en entends parler. Voilà, où je suis très active. D'ailleurs, je suis représentante du cercle communication maintenant pour 6 mois. Donc j'ai été élue pour 6 mois. Et c'est vrai que c'est très important pour moi de leur dire, il y a des choses à mettre en priorité. Et il y a des choses qui peuvent être des priorités, certes, mais est-ce que c'est des priorités urgentes ou est-ce que c'est des priorités qui peuvent être un petit peu, on peut s'en occuper après. Et là, on va compartimenter. C'est comme ça qu'on s'organise. Très bien. Alors, je te propose dans ces dernières minutes-là de faire un question-réponse tac au tac, réponse courte, sur des questions. Et moi, je vais me mettre à la place de la réunionnaise là, qui nous regarde et qui voudrait te poser des questions. Okay. J'ai une endométriose, je ne sais pas quoi faire. Je fais quoi? Bah déjà, tu peux contacter l'association Endorun ou tu peux passer aussi par Prima Babies directement sur la page Facebook. Ok. Je viens d'apprendre que mon copain m'a quittée. Comment je peux surmonter les choses? Tu viens me voir, on va faire un mentorat ensemble, t'inquiète, pas de soucis. Un conseil pour éviter de souffrir, d'avoir mal? Franchement, déjà de vivre le moment présent et de ne pas se projeter ni dans le passé ni d'anticiper le futur qui n'est pas encore là. Vu que de toute façon c'est pas encore là, le plus bel atout qu'on puisse se donner, c'est d'apprendre à vivre dans l'instant. Plus on vit dans l'instant et moins on ressent les douleurs du passé ou des choses qui vont peut-être ou pas arriver. Voilà, ce serait vraiment un conseil, ce serait d'apprendre à vivre dans l'instant. J'ai un projet et j'arrive pas à passer à l'action. Bah pareil, tu me contactes, on met... Donne un conseil. Non, mais je rigole, mais tu n'arrives pas à passer à l'action. Bah franchement, je te dirais de venir, par exemple, à une de nos permanences à Défi de femmes au Carré. Voilà. D'accord. Où tu peux rencontrer. Voilà, au Carré de Saint-Leu. Il y a aussi la Cité des Métiers à Saint-Pierre et il y a aussi le Carré de Saint-Denis où on a des permanences. Alors, je ne sais plus les dates, mais vous pouvez tout trouver sur la page de Défi de femmes Réunion. Page publique, où tout est écrit dessus. Magnifique. Non, mais même moi, je ne sais pas parce qu'on fait tellement de choses. En fait, ce serait vraiment de rencontrer d'autres entrepreneurs pour échanger déjà dans un premier temps. Ouais. Je sais que moi aussi, je me suis fait former. Moi aussi, je me suis fait accompagner au début. Mais ce n'était pas autant... Ton premier conseil, ce n'est pas d'aller voir les chambres consulaires, quoi. Non. Non, mais je ne peux pas... Coucou. Non, mais désolée, mais en fait, tu sais, je vais te donner un exemple. Hein. Oui. Je fais des formations à la création d'entreprises et au développement entrepreneurial. Ok, des formations qui sont à l'intérieur de mon organisme de formation. Donc, c'est des formations qui peuvent être financées par Pôle emploi, etc., etc. Je récupère 50% de toutes les personnes qui vont faire la formation Active Créa qui est proposée. Mais ce n'est pas de votre faute. Hein. Oui, mais c'est de la faute de personne. Non, je ne sais pas de qui c'est la faute. Et puis, de toute façon, on n'est pas en train
train de mettre la faute sur quoi que ce soit, mais je me dis qu'il y a un réel souci sur comment est transmis la culture de l'entrepreneuriat, la culture de l'innovation et la culture de l'initiative. Il y a un moment donné, en fait, c'est un état d'esprit à prendre, c'est pas juste « Ah, je te donne des outils » ou « Je te donne des informations sur les statuts juridiques » et « Oh, après toi, tu vas choisir ». Ben non, il y a toute une culture derrière, il y a toute une personnalité qu'il faut déconstruire, il y a tellement de choses qu'il faut déconstruire, pour reconstruire dessus. Et t'imagines comment c'est difficile déjà de déconstruire quelque chose pour après reconstruire par-dessus. Ben, c'est j'ai clair. Une question, moi, Karine, vas-y. Parce que tu m'as motivée là. Allez, question. Je me mets à la place. Je suis perchée et je suis à la fois incomprise par mon entourage. Ah. Ben, en fait, je te donnerai le même truc que je dis à chaque fois. C'est est-ce que tu es OK avec le fait d'être perchée ou est-ce que ça te fait mal? Et si ça te fait mal, alors va chercher quel besoin n'est pas nourri derrière. Et c'est simple, pour aller chercher le besoin qui n'est pas nourri derrière, tu peux simplement taper sur Google « liste des besoins », regarder dans la liste s'il y a des choses qui te parlent, il y a des mots qui vont peut-être ressortir, et tu peux déjà commencer par ça. C'est un bon exercice pour commencer. Et vraiment, je redis encore, l'écriture est salvatrice. Quand on veut nourrir son corps émotionnel, quand on a quelque chose qui nous dérange, écrire sans jugement, et je dis bien sans jugement, ce qu'on ressent, ce qu'on ne ressent pas d'ailleurs aussi, ça aide énormément à détacher tout. Comme il dit tout le temps, un sac les dehors, les pas dedans. Voilà. J'adore. Ok, bah franchement, j'ai adoré ces 26 minutes avec toi. Merci. Franchement, c'était trop court parce que tu as plein de clés, plein de choses à nous donner. Tu es un bonheur de femme. Franchement, moi, je te découvre. Merci. Je te connaissais sur... on se croisait souvent, mais sur Facebook et tout. Et c'est vrai, mais là, magnifique. De belles énergies, vraiment... Tout ce que tu as à offrir aux femmes de La Réunion, c'est juste... Merveilleux. Merveilleux. Et je suis vraiment ravie de te connaître et que tu sois venue dans l'émission. Parce que merci de m'avoir invitée, c'est top. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait ça, c'était chouette. Ouais, c'était vraiment cool. Et tu reviens quand tu veux. Ah oui, avec plaisir. D'accord. Ah oui, si oui. jamais tu avais des coordonnées à donner, là, comment on peut te contacter? Je suis sur Instagram, sur Facebook, sous Juliane Landrieu, où vous pouvez retrouver l'association Prima Babies ou mon organisme de formation qui s'appelle Lily's Workshops. Génial. Et pour terminer, pour reprendre tes bonnes vieilles habitudes, je te laisse clôturer. On vous dit bonsoir ou bonjour d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas, des fois ça repasse le matin. Et merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toutes. Bye. Merci, bye.